Il y avait beaucoup de mouvements islamistes aussi. Et avec ce nouveau monde qui a été créé, je crois que lui non plus, il n'a plus besoin de ce philosophe qu'il a réussi. C'est un grand flore que David il a donné à Soros ce soir. Personne ne l'a pas dit. Et c'est pour la première fois que moi je l'ai dit, parce que c'est la vérité. Il en est pour le compte, c'est la vérité. Seul philosophe dans le monde, depuis que la philosophie existe, c'est George Soros. Il a réussi à installer ses idées dans le monde. Voilà. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. L'humeur du temps vous est présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois.